Comme premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour, la sortie donc du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi qui siffle la fin de la récréation. Une fin de la récréation qui nous amène à évoquer donc ce que le ministre a dit et maintenant comment les analystes sont en train de prendre cette position du ministre de la Communication du Cameroun. Le ministre a parlé des coups d'État qui se sont déroulés dans certains pays africains. Le ministre s'insurge de ce que sur les plateaux de télévision, de radio et même sur d'autres médias, il y en a qui font des rapprochements fantaisistes en parlant du cas du Cameroun. Pour le ministre, cela peut amener à des interpellations et même traduire ces personnes au niveau des tribunaux. Je commence par Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, le MINCOM a tapé du poing sur la table. N'est-il pas dans son rôle? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il est dans son rôle. Parce qu'il doit expliquer les agissements du gouvernement. Il fait la communication du gouvernement. Et la communication du gouvernement se distingue d'une posture qui voudrait dire à tous les enfants de la République comment on doit réfléchir. Dans quel sens il faut réfléchir? Dans quel sens il ne faudrait pas réfléchir? Donc, en faisant un communiqué pour dire aux Camerounais, vous ne devez pas réfléchir sur les causes des coups d'État. Vous ne devez pas chercher à savoir si les causes des coups d'État ailleurs peuvent entraîner un coup d'État au Cameroun, etc. C'est prendre les gens pour... je ne dirais pas des enfants, mais surtout considérer que tous les autres de ses compatriotes ne sont pas prêts à défendre la République. Elimbi Lobé. Or, je vous relance. Le ministre dit, on va le paraphraser, il ne dit pas qu'on ne doit pas parler des coups d'État qui se sont déroulés dans certains pays africains, mais le ministre n'est pas content que sur un plateau, nous puissions dire que ce qui, par exemple, s'est passé au Gabon peut également se passer au Cameroun. Et là, il vous rappelle que le Cameroun est un pays démocratique et que pour le cas justement du Cameroun, on sait les modalités pour accéder à la magistrature suprême. Il n'a pas à faire ce type de d'avertissement, tout simplement parce que il oublie que même la Bible nous dit que ce qui est a déjà été. Ce qui a déjà été sera. C'est-à-dire que même la Bible... La Bible n'a pas parlé du Cameroun. C'est ça que je dis. C'est justement, tu fais bien de rappeler ça pour montrer jusqu'à quel point cette parole biblique est de portée générale. Et parce qu'elle est donc de portée générale, si on la comprend, on comprend très bien que ce qui se passe ailleurs peut se passer également ailleurs, disons comme ça. Ça, c'est le genre de parole que le ministre n'aime. Il ne peut pas m'empêcher de la tenir puisque ça sort de ma pensée et que c'est de la réflexion. S'il a quelque chose à dire, c'est de m'opposer un argument inverse. Je suis un petit scientifique et il y en a des milliers au Cameroun. L'un des principes fondateurs du fonctionnement de l'univers, c'est que ce que vous appelez effet a des causes. Tout ce que vous appelez effet, tout ce que vous appelez conséquence, tout ce que vous voyez se faire a des causes objectives qui ne dépendent pas de la volonté des individus, qui sont des situations ou des phénomènes qui, lorsqu'ils se présentent, génèrent forcément une suite qui sera les effets que vous pouvez aimer ou dénoncer. Donc, la mauvaise gouvernance
tous les pays africains qui connaissent les coups d'État depuis le commencement, c'est-à-dire après les indépendances, la caractéristique, le ministre dit que les pays sont différents, que le Cameroun a ses particularités. Il a raison. Mais en même temps, il oublie de dire que Parfait Ayissi et Elie Bilobe sont différents, c'est vrai, mais ils ont des choses en commun. N'est-ce pas? Nous avons beau être différents, nous avons des choses en commun. Les pays ont beau être différents, ils peuvent avoir des choses en commun. Par exemple, la mauvaise gouvernance. C'est quelque chose que les pays ont malheureusement en commun. Le Mali, le Niger, le Burkina, le Togo, le Ghana, le Nigeria, etc., etc. Tous ces pays ont eu à un moment donné en commun la mauvaise gouvernance. Et avec, c'est quoi la mauvaise gouvernance? C'est la mauvaise allocation des ressources. C'est la mauvaise utilisation des ressources. C'est le non-respect des principes fondateurs de la société que sont, par exemple, la Constitution. Le tripatouillage à la veille des élections, la modification des règles de jeu, ce sont des caractéristiques des pays où les coups d'État se sont produits. La question que le ministre aurait dû se poser, et s'il pouvait m'écouter, c'est que, monsieur le ministre, au lieu de parler à tous vos compatriotes avec une telle condescendance qui ne peut que rendre irrecevable votre discours, vous aurez pu suggérer que le gouvernement de la République s'asseye et fasse son ajournamento pour dire qu'est-ce qui crée les coups d'État au Niger, pourquoi il y a eu un coup d'État au Mali, au Burkina, etc. Qu'est-ce qui a été à l'origine des coups d'État 8 au Nigeria, en Mauritanie? Est-ce que ces causes existent aussi au Cameroun? Si le ministre, dans un débat interne au gouvernement, qui est un débat d'intellectuel, gouvernant, réussit lui-même et ses collaborateurs à se prouver à eux-mêmes que les causes des coups d'État ailleurs n'ont pas cours au Cameroun, ils peuvent dormir tranquille selon la loi de la cause et de l'effet. Si les causes ne sont pas remplies au Cameroun, ces causes-là n'existent pas au Cameroun, eh bien, ce n'est pas les UCAS qui vont empêcher les coups d'État, c'est le fait que les conditions de leur surveillance ne sont pas réunies. Alors, est-ce que les conditions de surveillance des coups d'État au Cameroun sont réunies? Avant de vous répondre pour chuter, je dis d'abord à tous ceux qui peuvent avoir l'intention un jour de faire le coup d'État, de savoir que s'ils essayent ça, je serai parmi les gens qui vont rencontrer devant eux. Merci. Mais quand j'ai fini de dire ça, j'ajoute simplement que les détournements, la corruption qui est à l'origine des coups d'État au Nigeria, au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin, partout, est la cour au Cameroun. Le dysfonctionnement de l'institution judiciaire a cours au Cameroun. On court au Cameroun. Le tripatouillage de la Constitution en cours au Cameroun. Comment ça? Mais quand le président Biya a modifié la constitution en 2002, vous avez vu les secousses. Aucune constitution n'est statique. Oui, même les autres ne le sont pas. Voilà. Les constitutions de ces pays où il y a les coups d'État ne sont pas statiques. Chacun fait, vous voyez comment le général, je ne sais pas si c'est le général qu'il est au Gabon. Il fait le coup d'État, il dissout la constitution, il la remet comme il veut, il va même bientôt la modifier. Voilà le jeune capitaine malien, c'est malien, Burkinabé, qui se propose de modifier la constitution. On est dans le tripatouillage. Tripatouillage égale tripatouillage. Donc la constitution du Cameroun aussi a fait l'objet de tripatouillage dans des circonstances qui n'ont pas laissé le pays sans secousses. Les événements de 2008 sont là pour nous le rappeler. Très bien. Hein? On a compris. Quand vous avez fini ça, monsieur le ministre, sachez que ceux qui ont fait les coups d'État dans tous ces pays n'étaient pas sur les plateaux de télévision. Ils ne faisaient pas de débats télévisés. C'est compris. D'accord? Ils étaient dans les casernes. Ce ne sont pas les journalistes qui ont fait les coups d'État. Ce ne sont pas les politologues, enseignants d'université ou bien les ennemis, les opposants. Aucun opposant n'a fait un coup d'État en Afrique. Ceux qui font les coups d'État, c'est ceux avec qui vous mangez tous les jours, vous buvez tous les jours, c'est-à-dire les gens du régime. Ce sont les militaires du régime, engraissés, considérés comme fidèles, parce qu'on les nourrit bien, on leur donne tous les privilèges. Et pourtant,
Comme ils sont des hommes tout simplement, comme vous gouvernez mal, ils savent que vous gouvernez mal. Mais comme... On a compris. Oui, mais comme ils vous disaient, ils savent que s'ils font un coup d'État au Cameroun, nous n'allons pas sortir dans la rue pour les acclamer. On va passer la parole au politologue, professeur Mathias Eric Onangini. Professeur, le fait de poser une analyse froide ou de faire des rapprochements sur un sujet d'actualité, cela peut-il, à un moment donné, être préjudiciable? Bien entendu, oui. Bien entendu, oui. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se jouent à la fois. Quand on analyse un coup d'État, on peut le faire à partir de différentes positions. Ceux qui le font sur les plateaux le font à partir de différents exercices. C'est soit un exercice intellectuel, c'est soit un exercice idéologique. Maintenant, l'exercice intellectuel ou l'exercice idéologique qui est fait ne reste pas simplement dans cette sphère. Parce qu'on parle, lorsqu'on parle du coup d'État, d'une interception de souveraineté, de la rupture de la normalité d'un système de pouvoir, d'un système gouvernant. Et il ne faut jamais oublier qu'en matière d'expression, l'expression est toujours canalisée par le droit. Ça veut dire qu'on a la liberté de parler, mais la liberté de parler s'exerce dans certaines conditions. Donc, ce que le ministre met en évidence, c'est la manière dont l'exercice intellectuel peut devenir un exercice idéologique. Cela, avec des implications, c'est-à-dire... Le ministre est dans son rôle. Il est dans son rôle, mais je veux aussi vous montrer qu'en même temps qu'il est dans son rôle, il y a aussi des limites auxquelles il doit faire face. Quand l'exercice intellectuel devient un appel, c'est déjà autre chose. Et à ce moment donné, ça peut donc devenir répréhensible par le droit pénal. Parce qu'un appel au coup d'État est assimilable à certaines infractions pénales. C'est ce qu'il met en évidence. Mais si le ministre est dans son rôle qui consiste à dire aux gens, attention, une chose est de dire sa perception, son opinion et même d'avoir une analyse intellectuelle d'un coup d'État, une autre chose est, à partir de cette analyse, de faire des inférences ayant pour effet d'avoir des incidences sur la situation du Cameroun, c'est autre chose. C'est ce qu'il dit. Et dans cette perspective, il a raison, parce que l'expression, si vous faites un appel à l'insurrection, vous êtes susceptible d'être poursuivi, parce que c'est une infraction de droit pénal. Si vous faites un appel à la sécession, vous êtes susceptible d'être poursuivi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire d'analyse sur les coups d'État. Mais il faut le faire de manière responsable, parce que ça de concerne... De toutes les façons, il faut le faire de manière responsable. Il faut le faire de tout manière... en évitant de dire que ce qui s'est passé ailleurs peut arriver. C'est donc là C'est ce qu'il faut éviter de dire. C'est donc là la limite. Quand est-ce qu'on passe donc de l'analyse intellectuelle qui dit, voilà, la mauvaise gouvernance a fait que, au Niger, au Gabon, au Mali. Comme il y a des phénomènes similaires au Cameroun, donc, ça veut dire que le Cameroun, c'est là où on peut donc passer la frontière. Maintenant, restons donc sur l'analyse intellectuelle. Oui. Les gens sont libres de faire des analyses, mais encore, il faut que les analyses soient rigoureuses. Si on dit, comme M. Limbi Lobelo disait, que les coups d'État sont là parce qu'il y a des problèmes de bonne gouvernance, de tripatouillage et tout ça, il y a un effort, une cause qui produit un effet. Pouvez-vous me dire que chaque fois qu'il y a eu un coup d'État, en raison donc de la mauvaise gouvernance, en raison du tripatouillage de la Constitution, en raison, une fois donc qu'on a fait le coup d'État, ces choses-là ont disparu? Pouvez-vous donc isoler de manière absolue la cause de l'effet?
Si donc, on a donc un phénomène de circularité, c'est qu'il faut réfléchir, c'est qu'il y a autre chose qui est en jeu. Ensuite, oui, les pays sont tout à fait comparables. Ce n'est pas absurde en soi de dire que s'il y a un coup d'État au Congo, ou au Cameroun, ou je ne sais où, ça peut être dans un autre pays, ou vice-versa. Mais en même temps, les pays ont une trajectoire historique singulière et les conditions ne sont pas strictement les mêmes. Donc, c'est une affaire qui est très complexe. Chacun est libre même d'analyser comme il veut. Et on sait que derrière l'exercice intellectuel, il y a l'exercice idéologique. Et il y a des gens qui, parce qu'ils n'aiment pas un régime, en veulent carrément qu'il soit renversé, puisqu'apparemment, ils n'ont pas la force politique pour le renverser dans le système institutionnel. Eux, ils appellent même les coups d'État. Et évidemment, le ministre n'est pas naïf. Le gouvernement n'est pas naïf quand il voit des analyses de ce type. Mais je pense qu'il faut... Il faut raison garder. Très bien. Autant ceux qui font dans les analyses intellectuelles ou idéologiques peuvent faire les analyses qu'ils veulent, mais qu'ils veillent que leurs analyses ne deviennent pas des appels. Parce qu'à partir du moment où ça devient des appels, ils sont répréhensibles, ils sont susceptibles d'être poursuivis par le droit pénal, parce qu'il existe des infractions dans le code pénal par rapport à cette chose. Cela étant dit, étant dans des systèmes institutionnels qui autorisent la libre expression, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Mais la liberté est toujours normée. Il n'y a pas de liberté sans normes.